toujours en retard. Eh, hey, tu veux pas comprendre, tu grandis pas, toi. Tu sais que t'es en contrôle là sur Théo Nicolas. Ouais, t'as raison, fais-les, mets tes écouteurs si tu veux, je m'en fous en fait. Il te reste 2 minutes. Est-ce que tu mens? Quand tu me casses pas la main. Ouais, ouais, GTI, hey. Pour mes reps, ça change pas. Great teacher, il s'abat, ça fait. Si aujourd'hui je prends le micro, c'est pas pour me la jouer balèze. C'est qu'après Pythagore, y'a le théorème de Thalès. On reste sur les triangles, mais il en faut deux qui ont un sommet en commun, alors trouve-le. Y'a deux triangles et y'a deux configurations. Soit ils sont emboîtés, soit en mode papillon. Dans les deux cas, faut vérifier l'alignement. En gros, que les cinq sommets tiennent sur deux segments. Faut absolument qu'il y ait deux côtés parallèles. Et tout ça, faut que tu l'écrives. Ouais, n'est pas la flemme. Sans ça, ce n'est pas la peine d'utiliser le théorème. Il faut trois conditions si t'en manques une. Et bah c'est faux, man. Toi tu les as, tu veux la suite. Mais avant, on dira de nos deux triangles qu'en a un petit et un grand. Et bah leurs côtés sont proportionnels. Mais prends-les dans l'ordre, sinon y'a problème. En gros, en multipliant les côtés de l'un par une même valeur, t'obtiens les longueurs de l'autre. Je te conseille de partir du sommet commun et des côtés alignés. Ça t'évitera de faire des fautes. Et ça, toi t'en es peut-être pas conscient. Mais c'est la même que l'égalité des trois quotients. Les côtés alignés entre les parallèles, tu regrouperas. Et il faut que tu partes du même triangle à chaque fois. Et là, on doit remplacer tous les côtés qu'on connaît à l'aide de l'énoncé ou d'une figure bien codée. En fait, le quotient c'est le résultat d'une division. Celle-ci, c'est pour ceux qu'on fait leur sixième dans un buisson. Donc tu remplaces et tu retiens le quotient dont on connaît les deux longueurs. C'est important, c'est grâce à lui que tu pourras faire ton produit en croix. Si tu sais pas ce que c'est, j'en parlerai peut-être une autre fois.